ce soir, c'est théâtre. Avec le Festival de Malaz, en petite édition cette année. Et nous allons découvrir Figaro Divorce de Von Horbach. Attention, ça va décoiffer. Ah, Suzanne qui la coiffe. Mais pas si fort, ma chère. On craint des bottes de la pâte à pétrir. Tout doux. Sinon, vous allez abîmer le chef-d'œuvre de votre mari. Je m'en garde. Faites attention, j'ai un bouton. J'ai vu. Vous êtes à genoux. Le festival a lieu en biennale et cette année, la petite forme du festival a lieu à l'auditorium. Nous l'investissons avec un dispositif créé par la compagnie Demain des Laubes qui s'appelle le spectacle jeune. Ce dispositif réunit des élèves de la 5e à la terminale. Ils sont au contact d'un metteur en scène professionnel, d'un costumier professionnel et d'un comédien professionnel. Et ensemble, durant 2 semaines, ils travaillent dans des conditions de création professionnelle afin d'être au contact de plusieurs métiers de l'art dramatique. Ça avait l'air compliqué comme ça, a priori, mais j'avais assez confiance à la fois dans l'écriture de cet auteur et dans sa force de proposition pour parler de choses actuelles, et à la fois dans la force d'adaptation et de sensibilité de ces jeunes gens pour entendre des choses dans ce texte qui leur parleraient de leur société, du monde dans lequel ils vivent et dans lequel ils sont amenés à évoluer dans les prochaines années. Le Festival de Malaz reviendra en 2020, car la Maison de Malaz est en travaux en 2019. Il y aura cependant, comme chaque année, un spectacle jeune, et le dispositif évolue un peu pour la rentrée prochaine. Les auditions, qui nous permettront de recruter l'équipe du spectacle jeune 2019, seront désormais ouvertes à tous les enfants du département à partir de 12 ans. Une annonce circulera évidemment sur les réseaux et vous pourrez la retrouver notamment sur le Facebook et sur le site de la compagnie Demain des Laubes afin de vous inscrire pour passer les auditions du prochain spectacle.